Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de ce 24 heures Afrique. Ouverture d'un procès historique à La Haye, l'Afrique du Sud met l'entité sioniste au banc des accusés pour génocide, une plainte assortie d'une demande de mesure d'urgence pour ordonner la fin de l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Manifestation à Mogadiscio, en Somalie, au lendemain de l'accord maritime Éthiopie-Somaliland, devant octroyer à l'Éthiopie l'accès à 20 km de ce territoire indépendant pour une durée de 50 ans. Et puis sport football, la sélection algérienne à pied d'œuvre en Côte d'Ivoire. Les Verts effectuent leur deuxième séance d'entraînement à deux jours du coup d'envoi de la CAN. Bonsoir à tous. L'entité sioniste doit désormais répondre de ses crimes. En effet, l'Afrique du Sud a, dans une affaire judiciaire historique, accusé ce jeudi l'entité sioniste de violer la Convention des Nations Unies sur le génocide. Il s'agit du début à La Haye de l'audience sur l'examen par la Cour internationale de justice des mesures conservatoires demandées par Pretoria. La plainte est assortie également d'une demande de mesures d'urgence susceptible d'ordonner la fin de l'agression sioniste contre le territoire palestinien. Safouane Bessabri. Une plainte qui met l'entité sioniste dans l'embarras, qui pour la première fois devra éventuellement se défendre de ses crimes devant une cour de justice. Devant la Cour de justice internationale, le gouvernement sud-africain porte aujourd'hui sa plainte contre l'entité sioniste pour les actes génocidaires commis depuis maintenant plus de 3 mois. L'Afrique du Sud, pionnière en matière de défense des droits de l'homme, loin des standards à géométrie variable du camp occidental, compte bien mettre l'entité sioniste face à ses responsabilités. Pretoria soutient la cause palestinienne depuis maintenant plusieurs décennies. Parallèlement au déplacement forcé, la conduite d'Israël a été sélectionnée pour provoquer une famine, une déshydratation et la faim généralisée. La campagne d'Israël a poussé les habitants de Gaza au bord de la famine, un chiffre sans précédent de 93% de la population de Gaza est confrontée à un niveau de faim critique. Devant les juges internationaux affiliés à l'ONU, Pretoria devra apporter les preuves des crimes sionistes à une époque où les réseaux sociaux permettent la diffusion des exactions en temps réel. Par ailleurs, la plainte sud-africaine est soutenue par la Ligue arabe et plusieurs organisations internationales de défense des droits de l'homme qui attendent de la part de l'instance de justice une décision forte. Cependant, au vu de la densité du dossier, une requête de 84 pages, il faudra attendre quelques semaines, voire quelques mois, avant l'aboutissement de l'affaire. Et en Somalie, des recherches étaient en cours ce jeudi pour localiser les passagers d'un hélicoptère de l'ONU capturé par les terroristes Shebab après que l'appareil a été contraint à effectuer un atterrissage d'urgence la veille dans le centre du pays. Des étrangers feraient partie des otages dont le nombre demeure inconnu. Les recherches se concentreraient dans la région de Hindere à 470 km au nord de la capitale Mogadiscio. De nombreuses personnes ont manifesté à Mogadiscio, en Somalie, contre l'accord maritime Éthiopie-Somaliland. Avec ce protocole d'accord signé le 1er janvier, la région du Somaliland, ancien protectorat britannique qui a proclamé son indépendance de la Somalie en 1991, mais n'est pas reconnue par la communauté internationale, entend octroyer ainsi à l'Éthiopie l'accès à 20 km de ses côtes pour une durée de 50 ans via un accord de leasing. Dans l'actualité aussi, l'Organisation mondiale de la santé a exprimé sa grande préoccupation concernant l'aggravation de la crise sanitaire en Éthiopie, où la sécheresse, les conflits et les déplacements de la population provoquent la faim et les maladies. Fin décembre, les autorités du Tigré avaient mis en garde contre une famine imminente due à la sécheresse et aux effets persistants de la guerre qui a opposé pendant 2 ans le gouvernement fédéral à cette région du nord du pays.
L'opposition, cette fois aux Comores, se présente divisée à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle dans l'archipel de l'océan Indien face au président sortant Azali Assoumani qui brigue un troisième mandat le 14 janvier. Les soutiens du président espèrent un remake du scrutin de 2019 où il avait été déclaré élu dès le premier tour. En République de Guinée, cette fois, le dernier bilan de l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures de Conakry est de 25 morts. C'est ce qu'a annoncé à la télévision nationale le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. Selon lui, 14 corps restent encore à identifier et plus de 450 blessés ont été accueillis dans les hôpitaux de Conakry pour leur prise en charge et leur traitement gratuit, tandis que 4 patients sont encore hospitalisés. Allez, on enchaîne avec du sport, football. À 2 jours de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, la sélection algérienne est à pied d'œuvre à Bouaké. Les poulains de Jamal Belmadi ont effectué leur 2e séance d'entraînement. Pour en parler, retrouvons en direct notre envoyé spécial Salah Faisal. Salah, bonsoir. Bonsoir Abdelkader, les Verts vont effectuer leur 2e entraînement dans 15 minutes à 17h30 heure ivoirienne. Donc les Verts ils vont commencer leur 2e entraînement, le 1er entraînement ouvert aux médias. L'Algérie se prépare pour cette CAN. Le premier match de l'Algérie, on rappelle, c'est le 15 janvier à partir de 21h algérienne. Il sera le premier match, le match d'ouverture de ce groupe D à Bouaké. L'Algérie, pour le moment, est arrivée hier. Ils ont effectué un entraînement à 17h30 hier et il y avait tout le groupe. La séance a été fermée aux médias. Aujourd'hui, à 10h, il y a eu une réunion de coordination avec les représentants de la Confédération africaine de football pour ficeler le programme de l'Algérie durant cette CAN. L'Algérie, on rappelle qu'elle va jouer tous ses matchs ici à Bouaké. On a une information aussi que l'ex-international algérien Karim Ziani a été désigné étant ambassadeur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il sera à Bouaké le 12 ou le 13 janvier afin de participer à cette CAN étant ambassadeur de la CAF. On rappelle aussi aujourd'hui le Morabiton, l'équipe de la Mauritanie est arrivée à Bouaké. La 2e équipe qui arrive à Bouaké pour jouer dans le groupe dès l'Angola, il va arriver à partir de 16h30-17h. Pour le moment, on n'a pas d'infos. Le vol, il a fait un peu de retard. Et pour le Burkina Faso, son vol, pour son arrivée, elle est prévue à partir de 22h à Bouaké. Et en parlant un petit peu des informations par rapport à la CAN, l'info du jour, l'événement, c'était la Gambie. La Gambie qui a dû faire un demi-tour. Son avion n'a pas pu arriver hier en Côte d'Ivoire. Il y a eu un problème technique et qui est risqué. C'était, on peut dire que c'était un drame et on pouvait perdre toute une équipe, l'équipe de la Gambie. Aujourd'hui, elle quitte à ce moment-là Banjul, la capitale de la Gambie, pour rejoindre Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, et afin de jouer, avant de jouer lundi face au Sénégal dans le 2e groupe, le groupe qui contient aussi la Guinée et le Cameroun. Merci beaucoup Salah Faisal, vous étiez en direct avec nous depuis Bouaké en Côte d'Ivoire. Salah Faisal que l'on retrouvera à partir de 19h pour le journal complet en français. Voilà, ce journal, ce 24h Afrique touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.